Tout à fait. Alors, de quoi parle-t-il, ce livre ? Eh bien, mon livre, Rebellez-vous, entre parenthèses, mais pas trop, sinon ça fait chier, traite des différents chefs d'État de ces 20 dernières années, mais aussi de l'incapacité de ce système à gouverner correctement. Ah, tout de même, les chefs d'État de ces 20 dernières années, ce n'est pas rien. Ça a dû être un boulot monstre de compiler autant de personnes pour ce livre assez épais, je dois dire. Ah, 825 pages, tout de même. Ah oui, c'est énorme. Mais au-delà de cet exercice de mémoire, vous faites une critique assez acerbe de ce même dirigeant. Que pensez-vous du dernier en date ? Bah, il est comme tous les autres. Tout cela pour se montrer, faire le buse. Citez-moi un qui a réellement changé les choses. Aucun ! Il est temps d'abroger cette loi. Le peuple ne s'intéresse plus à la politique de son pays parce qu'il n'y en a plus depuis longtemps et que les chefs d'État ne se préoccupent plus du peuple. Non, on n'a pas le droit de putcher son père. J'ai plein d'idées, moi. La sécurité, père ! Mesdames et messieurs, je suis votre nouveau président. Comme vous avez pu le voir, l'hymne a changé, c'est quand même un petit peu plus funky, mais d'autres choses vont changer. En premier lieu, je compte abolir cette fameuse loi du... Pucce ! J'avais des trucs à dire, putain ! Monsieur le Président, ça tourne. Fais-moi un peu ta... Fais-moi ta main, ma couille. Avant ce que tu... Époux, tu,
Tu peux dire... Tu sais dire putsch? Putsch? Dis putsch? Dis putsch? Putsch? Putsch! Putsch! Maman!